Salut à toi, je suis Mathieu Mars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est dans un épisode de MathActu. On va voir ensemble différentes informations autour de l'actualité de Tesla, SpaceX et de tout cet écosystème. Allons dès maintenant chez SpaceX, où vous savez, la dernière fois je vous ai parlé de la Falcon 9 et de son dernier échec. Donc alors, on a plus d'actualités, d'informations et d'éléments autour de cela. Alors déjà, l'analyse de la télémétrie était bonne, il n'y a pas eu de problème moteur. Mais attention, Hans Koenigsmann de chez SpaceX nous annonce quelques petites choses. Alors, l'échec à l'atterrissage du booster B1059 est lié à des dommages causés par la chaleur. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments de pourquoi, mais apparemment, il y aurait des problèmes de structure. Partons dès maintenant au Texas, plus précisément à Boca Chica, le prototype SN10 a passé un premier image statique de 2,3 secondes ce mercredi vers minuit 30. Par ailleurs, on a entendu trois bruits d'arrêt successifs qui ne sont pas normaux. On a ensuite eu une phase importante de dégazage tout de suite après le troisième bruit. Donc la tentative a pu être avortée, mais en tout cas, un Raptor ne s'est pas comporté comme convenu. Ainsi, Elon Musk avait annoncé qu'un moteur parmi les trois devait être remplacé, et à l'heure où je vous parle, normalement un moteur a été changé, parce que je vous parle actuellement en ce mercredi 24 février. Du côté du High Bay, SN11 devrait très bientôt aller sur le pad B car ses échafaudages ont été retirés. Sinon, sur une paroi du High Bay, un ascenseur est en train d'être installé. Il servira à accéder au bar qui est tout en haut. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le site de Boca Chica, je t'invite vraiment à aller voir la nouvelle vidéo qui est sortie à propos de ce sujet-ci. On voit le site de fabrication, le site de lancement et aussi le site d'essai. Le lien est dans la description. On a différentes informations autour du projet. Et oui, Elon Musk nous a apporté plus d'éléments. Des Starship pourraient décoller de la France, en théorie bien sûr, parce que les plateformes Deimos et Phobos vont pouvoir se stationner dans différentes zones dans le monde. Elles vont pouvoir se déplacer. Ainsi, SpaceX pourrait faire décoller son Starship via Super Heavy un petit peu de partout. L'entrepreneur a notamment annoncé qu'une des plateformes devrait être opérationnelle, mais avec des fonctionnalités limitées d'ici fin 2021. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'actualité, mais enfin on va pouvoir parler de Neuralink. Il y a environ 2 semaines, je vous parlais de tests sur un singe qui ont été concluants avec Neuralink. Alors maintenant, le premier objectif de Neuralink est de permettre aux personnes totalement paralysées, à la suite d'une lésion de la moelle épinière, d'utiliser un ordinateur, au moins aussi bien qu'une personne non paralysée. Par la suite, la startup s'orientera vers d'autres problèmes de santé. Mais attention, un des membres et ingénieurs de l'équipe fondatrice rappelle que l'objectif de Neuralink pour l'instant n'est pas du tout de s'appuyer sur le divertissement, et plus de résoudre certains problèmes de santé, voire essayer de résoudre la majeure partie. Eh bien, bienvenue chez moi, on est sur Mars, on va parler un petit peu de persévérance. Vous savez, le rover a atterri la semaine dernière et la NASA a dévoilé récemment les premières vidéos du rover Persévérance lors de son atterrissage. Au total, c'est 30 gigaoctets qui représentent en fait 30 000 images, une vidéo assez conséquente. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le premier audio martien sur SoundCloud, donc ça fait un premier ASMR martien. Sinon, sur YouTube, vous pouvez également retrouver une vidéo vous proposant une vue à 360 degrés de la position du rover. Peut-être que d'ici quelques mois, quelques semaines, je vous ferai une vidéo à propos des missions de 2026 autour du retour des échantillons. C'est parti, on va parler un petit peu de Starlink, parce que tout d'abord, une publication de l'ARCEP a été dévoilée le 18 février. Starlink a ainsi obtenu l'autorisation d'utiliser des fréquences pendant 10 ans. Alors ces fréquences, on en a plusieurs. Alors du sens espace-terre, on est à 10,95 et 12,70 GHz, et terre vers espace, 14 et 14,5 GHz. Donc voilà, en gros, ça représente les liaisons entre les satellites Starlink et les paraboles utilisateurs. Il est clairement écrit sur la déclaration de l'ARCEP que SpaceX ne doit en aucun cas interférer en fait les opérations des autres services, et plus précisément les services utilisant la bande 14 et 1450 GHz. Ainsi, Starlink devrait arriver très prochainement en France, on attend de voir, mais
Par contre, il y a quelques actualités assez sympas. Tout d'abord, Starlink devrait dans quelques mois proposer aux utilisateurs un débit descendant de 300 mégabits par seconde. Actuellement, ce débit est entre 50 mégabits par seconde et 150 mégabits par seconde, avec une latence entre 40 et 20 millisecondes. Il est à noter que Starlink veut aussi proposer une latence à environ 20 millisecondes, donc en soi une latence maximale à 20 ms. Sinon, des nouveaux utilisateurs Starlink aux États-Unis ont un abonnement à $85 par mois. En gros, ça nous ferait à nous un abonnement à 70 €. Mais bien sûr, ce prix va pouvoir changer d'ici quelques mois. Mais déjà, le prix est en baisse, sachant que le prix de départ au tout début était de $99 par mois. On va parler de quelques petites choses un petit peu plus joyeuses. On va parler de la mission caritative Inspiration 4 ou Inspiration 4. On l'a abordée pendant plusieurs vidéos et on a enfin le nom de la deuxième personne qui va être à bord de cette capsule. Il nous reste plus qu'à attendre la semaine prochaine pour savoir les deux autres. Et du coup, nous avons Hayley Arsenault qui rejoint l'équipage Inspiration 4. C'est une ancienne patiente de l'hôpital St. Jude qui a survécu à un cancer à l'âge de 10 ans. Plus précisément, elle a survécu à un ostéosarcosme. Ce qui est également magnifique, c'est qu'elle est aussi soignante dans cet hôpital pour enfants. Et aujourd'hui, elle rejoint cet équipage, donc un côté d'inspiration pour cet hôpital. Et il est à noter que une autre personne va être tirée au sort parmi les donateurs de l'hôpital Saint-Jude. De plus, elle dispose d'une prothèse sur la partie inférieure du corps. Elle sera ainsi la première humaine équipée d'une prothèse à aller dans l'espace. Pour rappel, vous pourrez retrouver toutes ces actualités sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description. On a enfin de nouvelles photos de la Tesla Model S 2021. Certains utilisateurs sur Twitter, sur Reddit, ont vu des Tesla Model S un petit peu de partout autour de Fremont. Tout d'abord, on a enfin des photos de l'extérieur et on voit également les nouvelles jantes. Et sur une autre image, on voit à l'intérieur que le yoke, donc le fameux volant assez futuriste, n'était pas présent. Donc on avait un volant plus classique qui pourrait être proposé dans le futur. Sachant qu'aujourd'hui, Tesla est en train de voir que beaucoup de personnes n'ont pas trop envie d'avoir ce yoke steering, donc ce volant yoke, et ils préfèrent rester sur un volant plus classique. Donc normalement, sur le configurateur, on devrait avoir ce type de volant plus standard arrivé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne et soutenir cette vidéo. Tu peux me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook pour retrouver toutes les actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX et autres. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. C'était Mathieu Mars. Allez, bye.